Oui, merci, le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de venir à notre rencontre. Une, une, juste une question de curiosité, parce que vos universités ont été, il y a déjà bien longtemps, pionnières dans la mise en place de, de nouveaux types de pédagogie, type ce qu'on appelle la PPP, la pédagogie par problème et par projet. dont on voit très bien que l'ossature, peut-être la colonne vertébrale, peut-être le numérique. D'ailleurs, chaque question posée, est-ce que ces pratiques pédagogiques, elles sont introduites chez vous à, à des stades inférieurs, plutôt, ou elles apparaissent uniquement à l'université il y a euh, je vous dirais que, encore une fois, on, nous sommes un système très décentralisé et la pédagogie fait partie de l'autonomie de l'enseignant. Et dans ce contexte, euh, on se retrouve avec des classes qui utilisent une méthode RAI. Où on fonctionne avec un pourcentage de groupe, où vous avez le 80%, le 10%, le 5%, pour faire en sorte de ne, de ne pas se retrouver à n'aider que certains élèves par rapport à d'autres. Euh, il y a ces, euh, la pédagogie explicite et autres, toutes ces autres méthodes ou façons innovantes, je dirais différentes, euh, de voir l'apprentissage la, la, et la pédagogie. Euh, ça appartient davantage aux enseignants chez nous. Et c'est là un des défis que nous avons à l'égard de la formation continue, parce que je vais vous donner un exemple. Moi, dans les deux dernières années, je visite des écoles à chaque semaine au Québec et, et je constate qu'il y a de plus en plus de classes inversées. Alors avant, c'était la classe avec, je euh, ne sais pas si c'est toujours comme ça ici, mais nous, euh, on était dans le pupitre traditionnel. Il était de la même hauteur pour tout le monde. Il y avait une chaise de la même couleur. Puis, on était tous en arrière de la chaise pour y avoir été pendant un certain nombre d'années. pas ça. Et euh, j'avais de bons résultats, mais il fallait bouger. Alors, euh, sinon, je devenais un défi. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de classes inversées et, et ces classes qui ont différents espaces debout aussi, euh, avec toutes sortes de, de matériel, qui en passant, c'est assez surprenant, quand les enseignantes ou enseignants mettent d'avant ces différentes classes-là, la première réaction négative ne vient pas des enfants, elle vient des parents, qui chez nous disent « moi, ce n'est pas comme ça que j'ai appris, ils vont, avoir, euh, euh, ils vont être distraits, euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour se concentrer? » Bon, ça fait partie des affaires. Il faut aussi faire une pédagogie auprès des parents. Mais lorsque c'est fait, ça fonctionne extrêmement bien. Alors, c'est souvent dans ces classes que je vais retrouver une enseignante ou un enseignant très innovant qui va dire, ben moi, je vais changer ma pédagogie. Alors, je vais utiliser des techniques différentes. Je vais euh, amener la robotique euh, euh, pour faire euh, euh, les matières. Je vais utiliser euh, euh, une classe inversée où j'aurai des gens assis, des gens debout, d'autres sur un vélo stationnaire ou par station, où l'enfant choisit le matin, il veut être plus près de la fenêtre, plus près de la porte, en avant ou en arrière. Euh, mais ça fonctionne. Et moi, c'est là que je dis qu'il faut protéger ces, 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 ces professionnels-là qui, qui nous amènent ailleurs et qui sont euh, très importants, parce que sinon, nous aurions encore l'école avec les pupitres et les chaises. Pourquoi? Parce que, et là, je ne le dis pas pour euh, euh, faire de la peine à mon collègue, euh, mais euh, je veux dire, sinon, c'est plus simple d'acheter des pupitres et des chaises toutes mes couleurs. C'est facile pour l'administration. Euh, il faut un peu se casser la tête quand on dit que ça me prendrait des tables hautes, des tables basses, des bains des coussins. Euh, ça, ce n'était pas dans le manuel au début. Mais tant mieux, ça change.